mon nom c'est Gabrielle Charbonneau et aujourd'hui je vous montre comment utiliser le fond de teint spray. Comme vous avez vu, pour faire mon teint, j'aime bien mettre ma passe parce que mon dieu que c'est tellement simple de ne pas avoir les cheveux d'en face. Surtout si vous avez les cheveux plus blonds, plus pâles. Si vous commencez à mettre du fond de teint, on va voir la différence sur vos cheveux. Donc dégagez vos cheveux, prenez le temps de les mettre vraiment de côté, ça va tellement être plus facile pour l'application. Si on parle de fond de teint, nécessairement, il va falloir parler de pinceau et de base. On commence par les bases. Donc, vous pouvez avoir des bases en spray, vous pouvez avoir des bases qui sont un petit peu plus en crème. Et là, après ça, on peut encore tomber dans les types de peau. On y revient encore, ça va tout le temps être là, fait que ça va être vraiment avantageux d'avoir votre type de peau. Donc, vous pouvez avoir des bases qui sont matifiantes, vous pouvez avoir des bases qui sont plus hydratantes. Donc, il va y avoir des différences sur le marché. Et allez trouver encore là ce qui est spécifique à votre peau pour avoir le fini que vous voulez après. Sinon, c'est sûr que vous allez trouver que peut-être vous allez être déçu, vous n'allez pas avoir l'effet que vous désirez. Donc, c'est important d'aller chercher vraiment le produit spécifique à qu'est-ce que vous avez besoin puis qu'est-ce que vous voulez comme fini. Donc, je vous suggère un pinceau de ce type-là, un pinceau Kabuki. Ça fait vraiment un super beau travail, un super beau fini, beaucoup plus simple. C'est possible de l'appliquer aussi avec des éponges. Donc, il y a vraiment... Vous utilisez la façon que vous voulez. Je vous suggère d'essayer plein de façons puis de trouver vraiment votre recette à vous qui va fonctionner. Alright, on est parti. J'ai décidé que j'y allais avec une bruine. J'en mets partout, jusque dans mon cou. Ce qui est important, c'est de laisser votre primer ou votre base vraiment bien sécher avant d'appliquer. C'est comme de la peinture. Vous ne pouvez pas mettre une couche de peinture sur votre mur si votre primer n'est pas sec. C'est comme la base de la vie. Ce qu'on veut faire avec une base ou un primer, c'est vraiment d'aller créer une barrière avec l'environnement extérieur. Donc, on veut aller maintenir le plus possible l'hydratation de la peau au lieu que votre peau soit soumise aux intempéries extérieures. Et on veut faire une barrière avec, par exemple, la pollution. Donc, d'où pourquoi c'est intéressant d'avoir une base. Ensuite, ce qui est intéressant aussi à considérer, c'est qu'une base, son rôle va être de faire ressortir la couleur encore plus. C'est vrai des ombres à paupières, quand vous mettez une base en dessous, c'est vrai du fond de teint aussi. Donc le fait de mettre une base va venir rendre votre fond de teint un peu plus éclatant. La couleur va être éclatante, pas qu'elle va changer de nuance ou quoi que ce soit, c'est juste qu'elle va ressortir mieux. Ce qui fait que vous avez besoin de mettre moins de produits pour avoir le même résultat. Donc, en mettant une base, vous allez sauver sur votre fond de teint. Ce qui est intéressant, c'est que généralement, les bases sont moins dispendieuses que le fond de teint. Ils durent beaucoup plus longtemps. L'autre but de mettre une base, c'est de faire tenir votre maquillage toute la journée. Donc, si vous avez dans vos rides d'expression, dans les petites pattes de doigts, sur le bord de la bouche, dans la ride du lion, si votre fond de teint a tendance à fuir un petit peu au courant de la journée, ça peut être une des bonnes raisons, soit parce que vous ne mettez pas de fixateur à la fin, soit parce que vous n'avez pas de base en dessous. Donc, on vient créer comme une sandwich. On met une base, on met un fond de teint, on met un fixateur, tout tient là toute la journée. C'est la meilleure façon que votre maquillage ne bouge pas. Alright! Ça a l'air sec. On laisse ça reposer une minute ou deux, puis voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Étape 1, primer. Étape 2, brasser votre fond de teint. Étape 3, push-put sur le pinceau. Woo! Étape 4, on applique. Commencez par le centre. Le plus possible, commencez par le centre de votre visage pour aller vous diriger tranquillement vers l'extérieur. Parce que sinon, vous allez avoir une grosse démarcation près des cheveux. Donc, ce qu'on veut, c'est aller mettre un petit peu plus de fond de teint au centre puis le glisser vers l'extérieur. Souvent, vous allez entendre que l'émotion circulaire, c'est le mieux. Après ça, il y a vraiment plein de techniques. À partir du moment, comme ça, je le dirai jamais assez. À partir du moment que vous êtes heureux, c'est parfait. Puis à partir du moment que le fini vous convient, c'est parfait. Donc, moi, c'est la technique que je préfère faire, c'est en mettre un petit peu, en rajouter, en mettre un petit peu, en rajouter. Je trouve que comme ça, ça évite d'avoir des endroits dans le visage où on en a beaucoup trop, puis là, on essaye d'estomper ça partout. Donc, c'est vraiment plus facile d'y aller à petite dose, de cette façon-là. Et quand on arrive près de la ligne des cheveux, donc on veut vraiment pas qu'il y ait de démarcation vers l'oreille, on veut pas qu'il y ait de démarcation au niveau du cou. Donc, on descend bien ici. Voilà. Donc, vous voyez que la couvrance n'est pas complètement parfaite, mais c'est là que je peux en rajouter si j'ai besoin. Donc, je vais aller faire mon visage
au complet une fois, puis ensuite, je vais aller réajuster s'il faut. Moi, j'aime bien faire tout mon visage avant. Puis faire mes yeux après. Donc, j'en mets partout, motion circulaire. Le coin du nez, on va être sûr qu'on n'échappe rien. Tout le tour de la bouche. Pas grave s'il y en a sur les lèvres. Hein. Parfait! Yay! Une dernière inspection de proche pour être sûr que tout est à mon goût. Retouche si c'est nécessaire. Puis ensuite, on va passer à l'étape suivante. Donc, un des éléments le plus important dans votre fond de teint, c'est que la couleur de votre joue vienne se marier à la couleur de votre cou. Sinon, c'est là qu'on a un problème et ça vient jurer. Mon objectif, c'est que vous en ayez appris plus sur comment utiliser un fond de teint en spray. J'espère que ça vous éclaire et suivez les prochains tutoriels pour aller voir comment faire du contouring, comment aller maquiller vos yeux, comment aller maquiller vos lèvres, c'est quoi les meilleurs mascaras. Bref, vous voyez l'idée, il y a plein d'autres vidéos qui s'en viennent. S'il y a des choses en particulier que vous voulez voir, droppez des commentaires. Et merci d'être là! Droppez un j'aime si vous aimez ma vidéo, abonnez-vous. Merci mille fois, merci, merci, merci. On se voit bientôt! Salut! Sérieux, je vous invite à prendre 12 secondes à juste brosser vos sourcils. C'est tellement plus beau, ça fait tellement plus fini et ça prend littéralement 4 secondes. Mais là, on vient de couvrir le fond de teint, puis on vient de voir qu'est-ce qu'il y en est. Quel choix de fond de teint va le mieux? Tabarnak.